Bonsoir à tous, frères et sœurs. Nous sommes en direct sur Radio et TV de Vie. Il est 19h30, heure locale de Paris. Aujourd'hui, on va partager la parole selon comment le Seigneur nous conduit et selon ce qu'il met dans nos bouches. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec la sœur Gracias. Donc voilà, on va partager. Donc moi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur l'intimité. L'intimité avec le Seigneur, en fait. Pour ceux qui ont vu nos témoignages respectifs à Gracias et à moi, c'est vrai que par rapport à nos situations aujourd'hui, on se rend compte, en fait, que ce qui nous garde vraiment des tentations, des choses en fait de ce monde, c'est vraiment l'intimité avec le Seigneur en fait. Et on est dans un temps en fait, on a besoin de l'intimité avec le Seigneur. On a besoin vraiment d'être intime avec le Seigneur, de chercher le Seigneur en fait dans les profondeurs. Vous voyez, parce que quand on voit en fait ce qui se passe dans le monde, comment la dépravation est en train d'atteindre son paroxysme, ben on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'être intime avec le Seigneur. On a vraiment besoin d'être bâti dans le Seigneur, en fait. Et on va prendre rapidement un passage dans Matthieu, chapitre 13, verset 40 et quelques. Verset 44. Alors, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et j'aime beaucoup ce passage, en fait, parce que le Seigneur ici nous donne, en fait, l'image du royaume des cieux, en fait. Et comment, lui, il voit le royaume des cieux. Et on voit que le royaume des cieux, c'est vraiment quelque chose qui est très important, tout simplement. Et ici, le royaume des cieux, ça regroupe un tas de choses, hein, la justice du Seigneur, la sainteté, la sanctification. Et en fait, le royaume, c'est le Seigneur lui-même. Et on nous dit que cet homme qui a trouvé le royaume, il est parti vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter le royaume. Et on voit vraiment que, bah, en fait, le royaume, c'est un grand prix. Le royaume, c'est un grand prix parce que déjà, c'est le Seigneur lui-même. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a la grâce de connaître le Seigneur. On a la grâce, en fait, d'être connu plutôt du Seigneur. Et faut pas négliger notre intimité avec le Seigneur. On ne doit pas négliger notre intimité avec le Seigneur, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qui a un grand prix. Ça a une grande valeur, en fait, vous voyez. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent leur intimité avec le Seigneur. On met le Seigneur, en fait, de côté. On fait nos vies, on fait nos affaires et on met le Seigneur de côté et ça blesse le cœur du Père. Ça blesse le cœur du Père parce que c'est que dans l'intimité qu'on pourra tenir face à la dépravation de ce monde. C'est que dans l'intimité avec le Seigneur qu'on pourra tenir face au péché. C'est dans l'intimité, parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur nous bâtit. C'est dans l'intimité que le Seigneur, en fait, nous façonne à son image. Et vous savez, c'est quelque chose que j'ai compris, que je comprends, en fait, au fil du temps, c'est que le Seigneur, on ne doit pas le prendre pour acquis, en fait. C'est-à-dire que on ne doit pas se dire, ah, c'est bon, moi, je suis chrétien, le Seigneur s'est révélé à moi, c'est bon. En fait, non, avec le Seigneur, on doit tous les jours le chercher, tous les jours chercher sa face. Tous les jours, on doit chercher le Seigneur. C'est vraiment important, en fait. On ne doit pas prendre le Seigneur pour acquis. Et on doit toujours, en fait, garder le cœur, ce cœur d'enfant pour le Seigneur. Toujours. Garder vraiment ce cœur, en fait, pour le Seigneur. Et, en fait, ne pas aller dans sa présence en disant, Seigneur, je te connais, mais Seigneur, je veux te connaître. Et ça, c'est des erreurs que le Seigneur nous enseigne à ne pas faire, en fait, à ne pas prendre le Seigneur pour acquis, parce que c'est vrai que parfois, j'ai pu aller dans la présence du Seigneur, en fait, et en fait, au fur et à mesure de la marche, tout simplement, l'orgueil commençait à rentrer, a commencé à prendre place, parce que le Seigneur se révèle à nous, parce que le Seigneur nous parle, parce que le Seigneur nous utilise, l'orgueil peut rentrer et commence à dire, non mais, quand on va dans la présence du Seigneur, Seigneur, je te connais, alors que non,
C'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on vienne dans sa présence et qu'on le cherche. Que notre désir, en fait, de le chercher ne tarisse pas, en fait, ne diminue pas. On doit le chercher constamment. Constamment, il est le elle qui se cache. On doit constamment le chercher, constamment chercher sa face. On a besoin de l'intimité avec le Seigneur. Et vous allez voir que plus, en fait, on est intime avec le Seigneur, et plus, en fait, notre foi va commencer même à grandir. Et on va prendre un passage rapidement dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 10, verset 46. Marc 10, 46. Et ils arrivent à Jéricho. Et lorsqu'il sort de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timaïos, Bartimaïos, l'aveugle, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Et apprenant que c'était Yéhoshua le Nazaréen, et il se mit à crier et à dire : Yéhoshua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Yéhoshua s'étant arrêté dit : « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yéhoshua. Et Yéhoshua prenant la parole lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle lui dit : « Rabboni, que je recouvre la vue. » Et Yéhoshua lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Et immédiatement, il recouvra la vue et suivit Yéhoshua dans le chemin. Et en fait, ce passage nous apprend tout simplement la persévérance. La persévérance, en fait, avec le Seigneur. Parce que c'est vrai que des fois, dans la marche chrétienne, on peut être soumis à des épreuves. On peut être vraiment soumis à des combats. Mais le Seigneur nous veut qu'on apprenne la persévérance avec lui, en fait. Et ici, Bartimaïos, lorsqu'il a entendu, on lui dit qu'en fait, Bartimée, il était aveugle, vous voyez. Et le Seigneur est passé avec la foule. Et lorsqu'il a entendu la foule, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Et on lui a répondu, c'est Yéhoshua, le Nazaréen, qui passe. Et à part, quand il a entendu ça, Bartimaïos, ça a produit quelque chose en lui. Ça a produit la foi, en fait, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ça a produit la foi, en fait, en lui. Et à travers, en fait, ce qu'il a entendu, ça l'a poussé à crier au Seigneur. Et la foule a voulu, on nous dit au verset 48, et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante. C'est-à-dire, là, en fait, la foule a voulu l'arrêter. Et la foule, ça peut être aussi l'image des combats, des épreuves que l'on peut vivre dans notre marche, dans la vie de tous les jours. Et ils l'ont réprimandé, en fait, pour le faire taire, pour l'arrêter. Mais Bartimée, en fait, au lieu de s'arrêter à ce que la foule disait, on nous dit qu'il a crié beaucoup plus fort. Et ça, c'est vraiment l'image, c'est vraiment ce que le Seigneur, en fait, veut pour nous, les chrétiens. C'est-à-dire que même devant l'épreuve, le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête à ce que la foule dit. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête à ce que les gens peuvent dire de nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête, en fait, à ce que nos yeux voient, mais veut qu'on crie simplement plus fort. Vous pensez que le Seigneur n'a pas entendu Bartimée? Il a très bien entendu Bartimée. Mais il voulait simplement que Bartimée persévère. Et à travers les épreuves, en fait, que à travers la foule, ce que la foule a dit à Bartimée, ça a produit la persévérance en Bartimée. Et c'est ça que le Seigneur veut en nous. Veut pour nous, en fait, qu'on soit persévérant. À travers les épreuves, qu'on soit persévérant. Parce que le Seigneur, en fait, veut que notre foi soit parfaite. Soit parfaite, en fait. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, j'ai remarqué que quand on demande à certains chrétiens, malheureusement, qui sont retournés dans le monde, par exemple. Pourquoi es-tu retourné dans le monde? Reviens au Seigneur, etc. Ils disent, bah, trop de combats, trop d'épreuves, il y a trop de soucis. Et ça, c'est une mauvaise compréhension des Écritures parce que, au fait, c'est le Seigneur, à travers les épreuves, le Seigneur nous bâtit. À travers les épreuves, en fait, le Seigneur nous façonne. Et au lieu que les épreuves nous affaiblissent, le Seigneur veut qu'on crie plus fort, comme Bartimée. Le Seigneur veut qu'on persévère dans ses épreuves, dans les épreuves, voyez, parce que le Seigneur veut amener notre foi à la perfection, comme Hébreu le dit. Et pour ceux qui ont suivi un peu nos témoignages à Gracias et à moi, Dorcas, c'est vrai que dans notre situation,
papa, maman ne sont pas là, on n'a pas forcément de famille autour de nous pour nous encadrer. C'est pour nous encadrer, en fait. Et dans notre marche de tous les jours, c'est vrai que là, on vit vraiment par la foi. On vit par la foi. On s'attend au Seigneur dans tout. Dans tous les domaines de notre vie, on s'attend au Seigneur. Même quand il y a les épreuves, on s'attend au Seigneur. Même quand ça ne va pas, on s'attend au Seigneur parce qu'on n'a pas le choix. Et la marche chrétienne, c'est une vie de foi. Une vie de persévérance. Et ça, on peut comprendre ça que si on est intime avec le Seigneur. Si on est intime avec le Seigneur, rien ne pourra en fait nous ébranler. Même quand il y aura les épreuves, même quand il y aura les combats, les persécutions, à partir du moment où on sera intime avec le Seigneur, rien ne pourra ébranler notre foi en fait. Voyez. Et nous, on apprend vraiment aujourd'hui à marcher par la foi et à ne pas marcher par la vue. Combien, en fait, on est passé par tellement d'épreuves aujourd'hui que on a appris à faire confiance au Seigneur d'une manière aveugle. On a appris à faire confiance au Seigneur, en fait, non pas sur ce que l'on voyait, mais on apprend simplement à faire confiance au Seigneur parce qu'il sait, en fait, ce qu'il fait. Il sait pourquoi il permet que certains passent par certaines épreuves. C'est pas qu'il nous aime pas. C'est pas que c'est un Elohim qui est méchant, pas du tout. C'est juste que le Seigneur veut que, il veut amener notre foi à la perfection. Et s'il n'y a pas d'épreuve, notre foi ne peut pas être amenée à la perfection. Comme Jacques le dit, en fait, que l'épreuve de la foi produit la persévérance. On a besoin, dans la marche chrétienne, on a besoin des épreuves pour amener notre foi à la perfection, en fait. Et dans notre vie de tous les jours, on vit vraiment ça, en fait, avec le Seigneur. Et parfois, pour une petite anecdote, j'ai pu connaître des temps où moi, par exemple, ça fait 3 ans que j'habite seule maintenant et j'ai pu connaître des temps vraiment de désert. Des temps où c'était le désert financier, il y avait tout ton frigo, il y a la neige, tout ton frigo, il n'y a rien dedans. Mais le Seigneur, à travers ça, il nous apprend en fait à lui faire confiance. Parfois, pendant 2-3 jours, tu ne manges pas, il n'y a rien dans ton frigo. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de famille. Les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas forcément de quoi te donner aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on s'attend au Seigneur, tout simplement. On s'attend au Seigneur. On crie au Seigneur. Moi, je pouvais crier, je disais, Seigneur, tu as dit que tu serais mon père. Nourris-moi. Comme tu as nourri Élie pendant 1 an avec le corbeau. Seigneur, nourris-moi. Et les frères et sœurs m'appelaient, des gens autour de moi m'appelaient, disaient, ah, Dorcas, viens. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup à manger. Viens manger. Ah oui. Et c'est comme ça, le Seigneur prend soin de nous, en fait. Le Seigneur prend soin de nous, même si, des fois, bah, c'est difficile. C'est difficile, c'est pas facile tous les jours, mais le Seigneur prend soin de nous, en fait, tout simplement. Le Seigneur veut qu'on marche par la foi et non par la vue. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête, en fait, à nos épreuves, à nos difficultés, au combat qu'on peut vivre, en fait, mais il veut qu'on s'attende à lui. Il veut qu'on aille dans l'intimité, dans les profondeurs avec lui, en fait. Qu'on ne regarde pas aux choses qui sont autour de nous. Mais qu'on regarde à l'intimité avec le Seigneur. On en a tellement besoin. Qu'on aille dans les profondeurs avec le Seigneur. On a besoin d'être intime avec le Seigneur. J'insiste vraiment là-dessus. Parce que c'est que comme ça qu'on peut tenir. Et je vais prendre un autre passage rapidement dans 2 Timothée. Dans 1 Corinthiens, pardon, chapitre 2, verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Alors, bon, je vais lire à partir du verset 1. « En effet, vous savez vous-même, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine, mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim. » pour vous annoncer l'évangile d'Élohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie, mais comme nous avons été éprouvés par Élohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Élohim qui éprouve nos cœurs. Ah, excusez-moi, je suis dans 1 Thessaloniciens 2, excusez-moi. C'était 1 Corinthiens 2, verset 5, merci. Tac, 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 excusez-moi. Je lis à partir du verset 1. « Pour moi donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu pour annoncer le témoignage d'Élohim,
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres que Yehoshua, Mashiach crucifié. Et je suis venu chez vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse d'Élohim, mais en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Ici, en fait, quand Paul est venu rendre visite aux chrétiens de Corinthe, il dit, moi, c'est vraiment le verset 5 qui m'intéresse, « Afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. » Parce qu'en fait, le Seigneur ne veut pas qu'on s'appuie, en fait, on s'arrête sur notre sagesse humaine. On s'arrête sur ce que nos yeux voient, en fait. Mais le Seigneur veut qu'on s'appuie, en fait, sur lui. On s'appuie sur lui parce que quand on marche par la foi, le Seigneur est glorifié. Quand même, combien même on peut avoir des épreuves, on peut en fait être dans la disette, mais le Seigneur veut simplement qu'on s'appuie sur lui en fait. Et quand, je vous assure, quand on marche par la foi, quand on fait confiance au Seigneur d'une manière aveugle, quand on dit Seigneur, conduis-moi, fais ce que tu veux de ma vie en fait, conduis-moi. Je ne veux plus raisonner, je ne veux plus en fait raisonner selon ma sagesse humaine, selon mes pensées humaines. Le Seigneur en est glorifié. Il est glorifié et il est content. Il est content parce qu'on lui fait confiance en fait. Avec le Seigneur veut qu'on ait des cœurs d'enfants, tout simplement en fait. Et je comprends vraiment aujourd'hui que la foi dans la marche chrétienne, elle est importante. Et beaucoup aujourd'hui n'ont plus la foi. Beaucoup perdent la foi. C'est pour ça que le Seigneur dit, si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur terre? Beaucoup n'ont plus la foi sur terre. Beaucoup n'ont plus la foi en fait. Au milieu des chrétiens, beaucoup d'enfants du Seigneur n'ont plus la foi. On s'arrête à nos factures, on s'arrête à nos problèmes. Mais combien font confiance au Seigneur? Combien font confiance au Seigneur? Et Hébreux 11 nous dit en fait que la foi, on va prendre rapidement, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Et quand on regarde le mot foi là, dans la foi on retrouve la fidélité. Quand on regarde l'étymologie, on retrouve la fidélité. C'est-à-dire que à travers quand on laisse le Seigneur nous conduire nos vies selon lui, quand on laisse le Seigneur en fait nous conduire en fait selon lui tout simplement, et bah le Seigneur en est glorifié. Il en est vraiment glorifié, vous voyez. Et ça prouve aussi notre fidélité envers le Seigneur. Ça prouve notre fidélité envers le Seigneur parce que combien même il y a des on peut ne rien voir en fait tout simplement autour de nous, mais le Seigneur veut qu'on soit fidèle. Il veut voir notre fidélité à travers les épreuves que le Seigneur nous soumet. Il veut voir la fidélité des enfants du Seigneur. Il veut voir combien on est attaché à lui, combien on l'aime. Et beaucoup quand il y a des épreuves, quand la tempête vient, il lâche le Seigneur, il lâche la barque. Il lâche, tombe de la barque. La barque, elle est renversée, en fait. Vous voyez? Et c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut qu'on soit fidèle à lui. Qu'on s'accroche à lui, en fait. Qu'on s'attende tout simplement à lui. On a vraiment besoin du Seigneur. C'est dans les temps dans lesquels nous vivons, on a vraiment besoin du Seigneur. Et je comprends ça de plus en plus. On a besoin d'être intime avec le Seigneur. On a besoin, en fait, de faire preuve de foi devant le Seigneur. Quand même, on ne voit rien. Quand même c'est difficile, on a besoin du Seigneur. On a besoin vraiment du Seigneur. Je nous invite vraiment en fait à chercher le Seigneur dans les profondeurs. Je nous invite à chercher le Seigneur dans l'intimité. À ne pas nous arrêter à la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Mais à aller encore plus loin. Que nous ayons vraiment ces cœurs d'enfants. Qu'on ne soit pas comme ce peuple qui honore le Seigneur de lèvres. Mais que son cœur est éloigné de lui. Que son cœur est éloigné de lui. On doit trembler devant ces genres de passages. On doit trembler. Parce que, en gros, ça veut dire que beaucoup marchent, mais leurs cœurs sont éloignés du Seigneur. Beaucoup confessent le Seigneur de la bouche, des lèvres, mais leurs cœurs ne sont même plus avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent plus le Seigneur. Ils ne veulent pas connaître le Seigneur dans l'intimité, dans les profondeurs. Ils ne veulent plus connaître le Seigneur. Ils s'arrêtent à leur connaissance théorique. Ils s'arrêtent à leur connaissance, en fait, qu'ils ont du Seigneur. Ils ne veulent plus connaître le Seigneur dans les profondeurs. Et tu veux...
Il y a une chose que j'ai remarquée par rapport à moi, c'est vraiment en fait que c'est dans chaque épreuve par laquelle je peux passer, le Seigneur en fait, il se révèle différemment. Il se révèle sous un autre aspect en fait. Et je réalise vraiment que parfois même ces épreuves sont essentielles pour nous faire grandir. Et j'aimerais partager un passage dans 1 Jean 5 à partir du verset 4. Parce que tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a remporté la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le fils d'Élohim? Et ce passage m'a réellement touchée parce que le Seigneur nous annonce vraiment que la victoire, nous pouvons l'obtenir que si nous avons la foi en lui seul, pas aux hommes. Mais en lui seul, et c'est vraiment un temps, en fait, comme Dorcas le disait, c'est vraiment un temps, on a besoin, en fait, d'avoir la foi. On a besoin de garder la foi. Et le Seigneur nous soumet chacun de nous à différentes étapes. Il y en a, il se pose des questions sur les études. Il y en a, il se pose des questions, Seigneur, ma vie, plein de choses. On a tous nos problèmes, mais le Seigneur nous demande, en fait, d'avoir la foi. Et on voit combien les temps sont difficiles, hein, combien le monde est en train de changer, et combien garderont la foi en sa parole, combien garderont la promesse qu'il nous a faite, la promesse de venir chercher l'Église. Et vraiment, c'est encourageant tout ça, et bah, ça m'encourage, moi, personnellement, encore une fois, à persévérer, tout simplement. Marc chapitre 4, verset 35. Alors, et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre bord. Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Merci. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Ils le réveillent et lui disent, Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et se tenant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer, Silence, sois muselé. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent l'un à l'autre, Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Et on voit, j'aime beaucoup ce passage, on voit au fait ici, c'est aussi une image de l'intimité du chrétien avec le Père. C'est-à-dire que celui en fait qui est intime avec le Seigneur, le vent peut passer, les torrents peuvent passer en fait, il reste calme. Et si Yehoshua vraiment il nous enseigne, on nous dit au verset 38, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller, malgré qu'il y avait le vent, malgré qu'il y avait la tempête, mais le Seigneur il dormait, il était calme. Parce que le Seigneur connaissait son Créateur. Le Seigneur connaissait le Père en fait et il était calme. Parce que le Seigneur avait une intimité avec le Seigneur. Et à travers les épreuves, à travers le vent, les tourbillons, les tempêtes que on peut traverser dans notre marche, le Seigneur veut qu'on reste calme. Le Seigneur veut que on soit en fait dans le silence, tout simplement. Les disciples, ils étaient paniqués, oh, on va mourir, on va mourir. Le Seigneur, on est en train de périr. Mais le Seigneur dit, mais vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Donc lorsqu'il y a des épreuves, panique, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi. Lorsqu'il y a des épreuves, on commence à trembler. C'est vrai que humainement, ça peut être difficile. On commence à trembler, bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la foi. Et c'est ça que le Seigneur veut travailler en nous. Et parfois aussi, bah, c'est parce qu'on ne connaît pas notre Créateur, en fait. On ne connaît pas celui qui on sert, tout C'est ça. simplement. Et on oublie aussi parfois que, bah, il est avec nous. Voilà, c'est Combien on peut ça. vivre des situations difficiles, il est avec nous. Il demeure en fait avec nous. Amen. Voilà. Amen. C'est ça en fait. On doit vraiment chercher à connaître le Père. À connaître le Père dans les profondeurs, dans l'intimité. C'est important. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur en ce moment en fait. Vraiment partager sur l'intimité, les profondeurs avec le Seigneur en fait. Le Seigneur pouvait dire, je connais le Père et le Père me connaît.
Le Seigneur, vraiment, il est puissant. Je connais le Père. Qui aujourd'hui peut dire, moi, je connais le Père et le Père me connaît. Et surtout, quand les Grecs utilisent le mot connaître, c'est beaucoup aussi pour parler de l'intimité sexuelle. C'est-à-dire que là, le Seigneur, quand il dit, je connais le Père, c'est vraiment pour parler des profondeurs. Des profondeurs. C'est-à-dire que le Seigneur, il était dans les profondeurs avec le Père. Sachant qu'il est lui-même le Père, mais le Seigneur nous donne l'exemple en fait. Il dit, je connais le Père. Et on va prendre un passage dans Luc. Et c'est comme ça aussi, en fait, tout simplement, que en fait, plus on va être dans l'intimité, et plus, en fait, on va, comment dire, lorsque les choses vont arriver, les épreuves vont arriver, on aura le calme parce qu'on va savoir que c'est dans la volonté du Seigneur. Exactement. Que c'est dans sa volonté, tout simplement, qu'on puisse vivre ces choses. Ça veut dire qu'on aura même de l'avance sur les situations. Amen. Et c'est vraiment important d'être dans l'intimité. C'est ça. Dans Luc chapitre 3, verset 21, vous connaissez sûrement ce passage, c'est quand le Seigneur prend son baptême. Et il arriva que comme tout le peuple, Luc chapitre 3, verset 21, il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Yahushua aussi étant baptisé et étant en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme celle d'une colombe. Et une voix vint du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Et un autre passage dans Luc chapitre 2, verset 41. Et ses parents allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Yahushua resta à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée et ils le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, il arriva que 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs et les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Et en le voyant, ils furent choqués. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et à travers ces deux passages, on nous dit que lorsque Yahushua a pris son baptême, l'esprit est descendu sous une forme de colombe. Et une voix se fit entendre des cieux qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affliction. » Le Seigneur n'avait fait aucune œuvre encore. Il n'avait même pas encore commencé son ministère terrestre. Il n'avait guéri personne. Il n'avait ressuscité personne. Il n'avait fait aucune œuvre terrestre. Mais le Seigneur, on nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça veut dire que le Père a agréé le Fils alors que le Seigneur n'avait fait aucune œuvre. Comment le Seigneur peut agréer le Fils alors qu'il n'avait fait aucune œuvre? C'est simple, parce qu'il était dans l'intimité. C'est-à-dire que pendant 30 ans, le Seigneur est resté assis dans la parole. Il est resté assis auprès du Père. C'est pour ça, à l'âge de 12 ans, on nous dit que les docteurs, ils étaient même étonnés de la sagesse et de la connaissance du Seigneur. La connaissance de quoi? Des Écritures. C'est-à-dire que pendant plus de 30 ans, le Seigneur est assis dans la parole. Il cherchait le Seigneur. Il cherchait le Seigneur dans l'intimité. Pendant 30 ans, aujourd'hui, beaucoup se précipitent à faire le ministère, beaucoup se précipitent à faire l'œuvre, alors qu'ils ne sont pas assis dans la parole, alors qu'ils ne sont pas intimes avec le Seigneur. Ils se précipitent, alors qu'on nous dit pendant 30 ans, le Seigneur est resté assis. Les docteurs même, ils s'étonnaient qu'il avait toute cette connaissance à l'âge de 12 ans. À 12 ans, le Seigneur avait saisi. Et ça, le Seigneur en fait nous donne simplement l'exemple du fils et des filles qu'il veut. Le Seigneur nous donne l'exemple des fils qu'il veut. Il veut des gens, des hommes et des femmes qui soient assis dans sa parole avant de commencer l'œuvre. Il veut des hommes et des femmes qui le cherchent dans sa parole. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire « Je connais le Père et le Père me connaît parce qu'il est resté assis pendant 30 ans dans l'intimité avec le Seigneur. » Vous voyez, c'est pour ça aujourd'hui, on ne doit pas se précipiter forcément. Je ne dis pas que faire l'œuvre, c'est mauvais, mais sachez une chose, ce n'est pas celui qui fait l'œuvre qui est agréé du Père. Au contraire, beaucoup font l'œuvre, mais le Seigneur ne les agrée pas. Le Seigneur ne le regarde pas, le Seigneur ne le connaît pas.
parce qu'ils se sont précipités, ils n'ont pas pris le temps de connaître le Seigneur. Ils n'ont pas pris le temps d'être façonnés, transformés, brisés par le Seigneur. Et aujourd'hui, on ne doit pas se précipiter forcément à aller faire l'œuvre. On doit se précipiter, au contraire. On doit à rester simplement assis aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur nous parle beaucoup de l'intimité dans les évangiles. Marthe et Marie, le Seigneur nous parle de Marthe et Marie, que Marie est assise aux pieds du Seigneur. Quand le Seigneur est venu rendre visite à Marthe et Marie, Marthe, elle est partie là-bas dans la cuisine et comme ça s'agiter. Mais Marie, elle est restée aux pieds du Seigneur. Marthe aussi, ça peut être l'image des gens qui font l'œuvre, des gens qui sont agités. Mais on nous dit que le Seigneur, en fait, il a agréé Marie. Le Seigneur a agréé Marie parce que Marie, elle s'est assise pour écouter le Seigneur. Elle s'est assise aux pieds du Père. Soyons assis aux pieds du Père. Soyons assis vraiment aux pieds du Maître. On a besoin. Ayons ces cœurs d'enfant. Ayons simplement ces cœurs d'enfant, en fait, devant le Seigneur. Tu as rajouté quelque chose? Oui, je voulais rajouter aussi par rapport à ce que tu dis. C'est vrai, parce que même dans les sept églises, dans Apocalypse, le Seigneur, justement, il reprochait en fait à l'une des églises, l'église d'Éphèse, merci, beaucoup, vous faites l'œuvre. Vous allez de ci et là, vous allez par-ci, par-là, mais vous avez oublié votre premier amour. Vous avez charité. Oublié votre premier amour, malgré que cette église, elle faisait l'œuvre, elle persévérait, c'est ça. Mais elle avait oublié en fait son premier amour, le commencement. Et c'est ça vraiment, comme Dorcas elle disait, oui, on doit faire l'œuvre, le Seigneur nous appelle à faire l'œuvre, mais on ne doit pas oublier en fait la communion avec lui. Amen. C'est ça qui est important, c'est ça qui importe, la communion avec lui. Donc voilà. Amen, c'est vrai, hein, c'est ça. On peut même prendre le passage dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, je crois. Ah oui, partir du verset 1. Ouais. Vas-y, tu peux lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as souffert et que tu as eu de la patience. Voilà. Que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te réponds pas. C'est vraiment fort ce passage parce que on nous décrit vraiment ce que faisait cette église. C'était une église qui souffrait pour le nom du Seigneur. Elle était patiente. Elle était très persévérante, mais le Seigneur, il dit que j'ai quelque chose contre toi. Et c'est vraiment une remise en question aujourd'hui. Seigneur, je fais ça, je souffre pour toi, mais est-ce que j'ai toujours ce cœur pour toi? Est-ce que j'ai toujours gardé dans mon cœur ce premier amour? Et c'est vraiment un piège de nous dire que parce que je fais l'œuvre, que je suis agréée. C'est parce que je fais l'œuvre que je serai sauvée. Non, le Seigneur veut d'abord cette communion avec son esprit. Amen. La communion avec lui, l'intimité avec lui. Amen. Et c'est de cette intimité que découle l'œuvre, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Amen. Franchement, quand je lis des passages comme ça, on doit vraiment... moi, personnellement, ça me fait trembler, ça me fait peur. Et là, il nous dit bien, réponds-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et nous, aujourd'hui, on pense souvent que la chute, c'est forcément on est tombé dans un péché. Voilà. On est tombé dans la pudicité, on est tombé dans la drogue, on est tombé dans ça. Alors que non, le fait même que tu abandonnes ton intimité, tu es tombé. Tu es tombé. Et vraiment. Tu peux tomber depuis 10 ans, tu ne le sais pas. Vraiment. Mais tu continues de faire l'œuvre, on continue de te voir, tu continues de prêcher. Mais tu es tombé depuis longtemps. Et c'est vraiment, le Seigneur, il nous interpelle. Et que... C'est vraiment le Seigneur vraiment nous interpelle. Le Seigneur vraiment nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle tout simplement en fait. Et une petite anecdote. Je vous assure que l'intimité avec le Seigneur, c'est vraiment quelque chose que je porte dans mon cœur parce que au mois de juin en fait. Un jour, je sortais du travail et Jean me saisit dans le bus pour prêcher en fait, pour parler de lui, pour crier, pour parler du Seigneur tout simplement.
Et je commençais à évangéliser comme ça dans le bus. J'évangélise. Et je disais, ouais, le Seigneur, il est, voilà, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur, Jésus-Christ veut nous sauver. Mais ce que je sortais de ma bouche, en fait, je ne le ressentais pas dans mon cœur. Alors je disais, mais c'est bizarre. Pourtant, d'habitude, quand j'évangélise comme ça, bah, ça sort, quoi. Mais là, ce jour-là, dans le bus, en fait, j'avais l'impression que ce que je sortais dans ma bouche, je ne le ressentais pas dans mon cœur. Et je suis rentrée comme ça à la maison. Et je comme ça, j'en ai parlé au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait que ce que j'ai sorti tout à l'heure, j'ai l'impression que je sens plus ça dans mon, je sentais pas ça dans mon cœur, en fait. Vous voyez? Et quelques temps après, le Seigneur m'a fait rentrer en retraite, en fait, de prière et de jeûne. Et j'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé contact. Je voulais vraiment rester seule avec le Seigneur parce que ça m'avait fait quand même quelque chose. Et tout au long, en fait, de ma retraite, le Seigneur, il me faisait comprendre que je commençais, en fait, à oublier mon premier amour. Je commençais à oublier, en fait, mon premier amour, tout simplement. Et qu'avec le Seigneur, je commençais à tomber dans une routine, dans les habitudes. Je commençais à m'arrêter, en fait, sur ce qu'il m'a montré de lui. Je commençais à m'arrêter sur la connaissance qu'il m'a donnée de lui. Mais je commençais à ne plus aller dans les profondeurs, en fait. Je commençais à perdre ce cœur d'enfant devant le Seigneur. Et j'ai gémi devant le Seigneur. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré, j'ai cru que j'allais pas m'arrêter. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, on peut perdre notre premier amour comme ça? On se rend même pas compte? Et pourtant, tu prophétises. Et pourtant, le Seigneur t'utilise. Tu prophétises, tu peux parler en langue, mais tu as oublié ton premier amour. Et ça fait peur, je vous assure. Quand le Seigneur m'a interpellé là-dessus, j'ai tremblé. J'ai tremblé parce que on peut perdre notre premier amour, on s'en remet pas compte. On s'en remet pas compte. Et là, l'église d'Éphèse, c'est vraiment, on doit être interpellé quand on lit ça parce que l'église d'Éphèse, c'était une église qui faisait l'œuvre. On nous dit qu'ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Ils faisaient l'œuvre. Ils faisaient l'œuvre. On nous dit qu'ils travaillent dur pour le nom du Seigneur, mais ils ont oublié leur premier amour. Et beaucoup de chrétiens ont oublié leur premier amour. Ils ont oublié leur premier amour. Ils n'ont plus ce cœur d'enfant pour le Père. Ils n'ont plus ce cœur d'enfant pour le Seigneur. Et ça fait mal au cœur au Seigneur. Ça blesse le cœur du Père. Ça blesse le cœur du Père. Quand le Seigneur voit que ses enfants, en fait, l'oublient, ça le blesse. Ça le blesse, en fait. On doit vraiment avoir ce cœur d'enfant devant le Seigneur. Et vraiment avoir ce cœur d'enfant, en fait. C'est pour ça vraiment, bah, je nous encourage vraiment à ne pas abandonner notre premier amour, en fait, à toujours avoir ce cœur d'enfant devant le Seigneur. C'est Amen. important, c'est important, je nous en supplie. Je nous en supplie, ne prenons pas le Seigneur pour acquis. Je nous en supplie, le Seigneur vient chercher des hommes et des femmes qui sont intimes avec lui. Et il y a un passage dans Matthieu où le Seigneur dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez la violation de la Torah. Ces gens-là, ils disaient, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient pas d'intimité avec le Seigneur. C'est Et des qui gens faisaient qui n'étaient l'œuvre. plus intimes avec le Seigneur. Ils pouvaient faire l'œuvre parce que le Seigneur ne se repent pas de ses dents. Ils pouvaient faire l'œuvre, mais ils n'avaient plus de communion avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. On doit trembler devant ce genre de passage. On doit trembler. Le Seigneur vient chercher des hommes et des femmes qui l'aiment, qui gardent ses commandements et qui sont intimes avec lui. C'est ce genre de femmes que le Seigneur, de ce genre d'hommes et de femmes que le Seigneur vient chercher. Amen. Oui, du coup, je bénis le Seigneur pour ce moment. Donc, on va couper avec ce moment. Et je rends grâce vraiment au Seigneur pour sa parole, premièrement, et pour toutes ses interpellations. Ma prière est que nos cœurs reviennent au premier amour et que on se souvienne là où on a fait des erreurs, là où on l'a oublié, là où nos motivations n'étaient plus bonnes, que vraiment, en fait, le Seigneur puisse nous pardonner et que il puisse nous éclairer encore une fois et qu'on puisse persévérer jusqu'au bout. Et je voulais juste finir par un petit chant. Qui me séparera de toi? Oh. Qui me séparera de toi? Oh. Moi, j'ai choisi la bonne part. Oh. Qui me séparera de toi? Oh. Moi, j'ai
choisi la bonne part, qui me séparera de toi, moi j'ai choisi la bonne part. Au nom de Yeshua, bonne soirée. Amen.